Réforme Mexique. Score président 2017. Putain, on est dans la merde. Hein. T'es sûr? Ah, je sais pas, on va voir si t'arrives à rivaliser avec Trump. Le truc, c'est que déjà, je viserai même pas tout ce qui est pays, je viserai tout ce qui est éducation et autres. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, je retire toute la saleté qu'il y a sur la télé. Au revoir la télé-réalité. Ça va aller loin, ça. Non, mais juste ça, parce que il y a beaucoup de trucs qui me cassent les couilles avec ça, et j'ai vu beaucoup trop de choses où les gens se référaient à la télé-réalité. Je trouve ça tellement affligeant. Hey, que veux-tu? Et ensuite, en termes, si vous voulez vraiment parler de tout ce qui est social, enfin, tout ce qui est, je sais pas, vous parliez du principe, vu que c'est Trump, des frontières et des gentils, pour nous, c'est pas des Mexicains, des Arabes qui viennent chez nous, je dis Arabes parce que, en toutes les catégories, bien sûr, hein. Bah, en fait, je m'en bats les couilles de ces gens-là. D'abord, je vais m'occuper de ceux qui sont français. Parce que les gens qui viennent des autres pays, ils en profitent, ils savent que la France va les aider. Et les Français qui sont eux à la rue ou qui n'ont rien, bah ils se font baiser. Donc je m'occupe d'abord des Français et ensuite je vois ceux qui viennent de l'étranger s'il faut encore les aider. C'est beau putain. Bon. Je suis désolé. Faut arrêter de faire chier avec les Français, quoi. On est des étrangers, ils ont tout ce qu'ils veulent, sans bosser, ça me casse les couilles. Et nous, on est pauvres Français, on se fait enculer. Bienvenue en France. Battons-nous dans les couilles ensemble. Alors fais gaffe quand même parce que ça fait quand même très gay. Hein. Je dis ça si ça vous dérange de passer pour des personnes homosexuelles, bien que ce n'est pas un mal. Mais je tiens quand même à vous prévenir. Ah oui, mais attends, une chose, je rajoute une chose. Et je punis toute personne ayant des propos racistes ou homophobes. Ah. Alors, la case d'auto-even. J'emmerde les nazis. Tu vas avoir du boulot quand même. Hein. J'ai 5 ans. Si je fais mes preuves en 5 ans, j'en ai 10. Et vu qu'en France, on n'a pas la restriction des deux mandats, Ça. tu vois? Il suffit juste de faire ses preuves dans les 5 premières années. Les nazis sont des bons gars. Ce que les gens disent sur le live quand même. Encore plus raciste. Je mériterais limite que je te kick pour ça. Et je n'ai fait aucune remarque raciste. Merde, du coup j'ai trouvé le titre de ta deuxième partie. Ah. J'ai trouvé le titre de cette partie de live. Le programme présidentiel de Scorp. Ouais, mais c'est pas assez long, je sais pas. J'ai pas toutes les idées en place. Parce que je m'intéresse à fond à la politique, donc on s'en fout. Niso, je le menace tout de suite. Il soit tout petit. Non, désolé, rage pas, s'il te plaît.
Oui, après, il y en a qui profitent vraiment de la situation. C'est pour ça que ça m'énerve. Donc je préfère d'abord m'occuper des Français. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui s'appelle France, c'est un pays. Et dans la France, il y a des gens qui s'appellent les Français, qui ont la nationalité française. Je sais pas, ça me semble logique de les aider, ces gens-là. Ça. Et après, moi je suis pas du style à créer un mur et faire en sorte que les étrangers viennent pas, quoi. Non, je suis du genre, si j'ai réussi à faire en sorte que la France se porte bien avec les Français, ben oui, je veux bien aider les pays étrangers, mais avant, le pays. Je suis une victime, j'assume. Cette remarque était totalement inattendue. Si je parlais comme Marine Le Pen, je parlerais que les étrangers sont une mauvaise chose pour la France. Non, Zarafiel, ils n'ont pas d'aide car ils sont français. C'est tout. Faut le dire dans ce sens-là. Qu'est-ce que je raconte depuis tout à l'heure? Je suis On sait devenu trop rien, sérieux. garçon. Je suis devenu sérieux. Par va se taper, t'es tellement dans la merde. En sur la redite, hein. Oui. Ouais, la politique. L'avenir, c'est de la merde. Le problème, c'est que si tu veux un avenir pas trop dégueu, bah, va voter. Bon, après, je dis ça se trouve, t'as pas encore l'âge. Moi, je l'ai. Bon, moi c'était tendu, mais je l'ai perdu, hein. D'ailleurs, je voulais me demander, tu as acquis la nationalité française ou tu es français? De moi? Quoi? Oui. Moi, oh, je l'ai eu à la naissance. Ah, le salaud. Je pourrais pas te jeter du pays. Je suis franco-belge, moi, monsieur. Je De suis naissance. franco-breton. Oui, j'insiste. La Bretagne est un pays indépendant. Pays C'est exactement ça que je pensais. indépendant. J'essaie de me concentrer sur la partie, mais j'ai envie de le balancer depuis tout à l'heure. Pingal indépendant! Oh putain, j'ai une de ces piquettes, moi! Alors, qu'est-ce que ça dit sur le... Ah, j'ai pas le Oui, temps. oh oui, oh magnifique, j'aime cette mairie. Cette mairie est géniale. On va retirer votre gosse pour sa sécurité. C'est le même principe qu'une personne dans la rue, un SDF, Ah oui, un quand même. chien, non mais un Alors, chien, sache-la sinon, ouais. et on lui a retiré une meule de la sécurité, de la protection des animaux, s'est ramenée, a retiré son Ah chien oui, ce truc-là, oui. pour la protection des animaux. C'est le seul ami qu'il a, ce mec. Qu'est-ce que tu fais? C'est le seul ami qu'il a, le chien. Il a que ça dans sa vie. Lui retire pas la seule chose qu'il a. Ça me rend fou. Il veut sauver chien? Bah sauve son maître. C'est pareil, tu veux sauver ce gamin? Bah sauve les parents. Putain, quoi. Oh, la France me rend fou parfois, c'est... Comment ça, follow? J'ai pas eu d'alerte, moi. Attends. Alors oui, Niso, on est désolé d'avance, mais Des fois, il y a parfois les les alertes qui ne alertes... pop pas. Donc, bah, merci pour le follow, en tout cas. Je vais rafraîchir le truc parce que je ne vois même pas le... Parce que j'avais mis un truc préventif en cas de bug. Qui m'indique absolument pas que tu as follow. Restart session.
Je crois que mon truc a planté en fait. Ce qui est très pratique. Je Mieux. le relance. Il n'y a pas eu l'alerte sur le live. Repeat l'alerte. Voilà. Nisolix, merci pour le follow. Bienvenue dans la folie et bienvenue parmi nous. Yo. Voilà, j'aime quand ça pop. Quand ça pop, c'est mieux. Aïe aïe aïe. Je suis obligé de faire pop les alertes maintenant. C'est quand même triste. Exactement, Niso. Il aura fallu un peu de temps, mais ça se fait, t'inquiète. Ah non, Zarafiel, ça par contre, je peux t'assurer qu'il est pas écrit. Oh putain. On y croit tous, hein. Dur comme fer. Ah le con. Il est tellement présent que je peux pas appuyer sur le bouton pour que ça repeat. C'est bizarre quand même. Oh là là. Et puis même le compteur il avance pas, dis donc. là là. Oh là là, c'est quand même pas de bol. Évitons d'agresser Nidorix et les autres joueurs. Mais pareil pour Dylan, soyez calme. J'avoue. Soyez paix, paix et détente. Vu que vous êtes à l'écrit, on peut absolument pas savoir ce que vous pensez derrière, c'est assez fort. L'argent des abonnés. Oh, l'argent des abonnés! Et moi, isolé, je peux t'exclure pour réponse à provocation. Non, mais là, Hey! que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est. Ça parle dans le vent, là. Ça n'avance pas. C'est juste ridicule actuellement. Dialogue de sourd. Dialogue de sourd. Ah, c'est ça. Na 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 na. Alors Dylan, c'est pas en faisant ça que ça va aller mieux, hein. Là, ça fait du ménage. Ah, Zarafiel. Aïe aïe aïe. Oui, j'ai appris quelques commandes cet après-midi pour le chat. Ah, je vois ça, je vois ça. Écoutez tout ce corps ou je vous mange à la sauce coréenne. Ah, je crois que Niso a choisi son camp. Discord me manque une chose. Ah non, il Ce demande que Discord rien, me quoi. demande, ce que Discord me demande, c'est la même chose que Dog demanderait. Nous, non, juste, je vais défoncer Scorp avec un K, putain. Je le savais que tu dirais ça. J'ai regardé le pseudo, j'ai fait nope. Ça fait déjà 3 fois que tu l'écris comme ça passera jamais. Ah putain.
Elle est bonne ta sauce au moins, ça m'a juste fait penser à une chose. Comment mettre aux enquêtes? Comment est votre blanquette? Elle. Scorp demande mise au fait. Aïe. Non, Y a rien à comprendre, Nuzo. ce que j'adore, c'est. Elle est bonne ta sauce? Oui, tu peux la tremper dans une saucisse. Oui, on est d'accord, ça m'a fait rire aussi. Oh putain! J'imagine la saucisse posée sur la table, le mec qui se ramène avec son plat. Qui se remet avec sa sauce? Eh, j'arrive pas à tremper ma saucisse. J'arrive pas à tremper la sauce dans ma saucisse. Comment je Chef, fais? ne sors pas, j'arrive pas à tremper ma saucisse, s'il te plaît. Oh merde. En prison. Non. Ah merde, c'est Michael Myers, je l'ai vu arriver à la dernière minute du coup. Ah merde. Oui, sur ton écran, c'est génial. Tum, tum, tum. Hein? On voit quand je me marre en tout cas, je veux dire... Oh merde, j'en peux plus. Je vais tremper ma saucisse dans la sauce. Ah non, 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 terminez non, pas non, votre non. moteur, soignez-moi. Faites pas vos putes. Je suis Non, blessé. non, non. On s'arrête là, Milo. Oh, mais lâche-moi, putain. Oh, il me rend fou, ce Michael Myers. C'est traumatisant pour mon fort intérieur. Aïe. Le seul truc du coup, Marceau, toi et ton pote, le souci, c'est que vous utilisez le one shot dès le début de la partie. Ce genre de truc, faut un petit peu l'utiliser en fin de partie pour foutre les boules au turc, bah, y a plus de moteur à faire, du coup, on peut finir la partie, quoi. Parce que là, du coup, ça lui fait juste... Oh bah c'est cool, ça fait deux endroits de moins à vérifier. Il va falloir leur faire, mais dans ce sens-là. On fait le premier moteur normal et les quatre Ouais, et autres, on tu les les fait quatre en même autres, temps. bim. Mais en même temps. Arrêtons d'approfondir le sujet des saucisses. Ah, mais c'est un sujet profond qu'il faut traiter avec attention, voilà. Mais ne pas aller trop profondément non plus, ça risque de faire mal. Voilà. Et pas trop vite, parce que bon, après... Alors, c'est bien parce que ça rejoint un peu une conversation que j'ai eue avec Réro hier soir. On a réussi à tenir une conversation pendant, je dirais, 10 minutes, en parlant de cul tout le temps, mais sans jamais laisser un seul mot paraître. C'est-à-dire qu'un mec rejoint la conversation, il ne sait même pas de quoi on parle. Enfin, si, pour lui, on parlait de bricolage, parce qu'on était dans le bricolage. D'accord, Mais le pourquoi pas. mec rejoint, il entend des gens qui parlent de bricolage, alors qu'en fait, il parle de cul. Et on s'est juste dit, quand c'est arrivé, mec, il faut qu'on fasse une vidéo comme ça. On appelle, je sais plus quand ce que j'avais trouvé comme titre pour la vidéo, mais Il va se retourner, Phaser, tu le sais ça? Putain, il a glitché à travers Michael Myers, quoi. En effet, il a glitché. Non mais Phaser, le fais pas tourner ici. Il y a quelqu'un qui attend déjà pour venir m'aider en plus. Pardon.
Ah, génial. Phaser. Là, je suis vraiment contente. Phaser, t'entends? Non? Ah, je sais pas, mais il l'a fait tourner à côté de la cave pendant une demi-heure là. Hein. C'est. Il a pas eu besoin de bouger le petit doigt. Tellement dans la merde dans la cave. Ah non, mais moi je suis fini. Hein. Ah, c'était pas Phaser qui le faisait tourner, c'était Marceau peut-être. Ou C'est Lirock, très j'en sais drôle. rien. Sur mon écran, quand il t'a porté sur ton dos, ta tête traversait ton ventre, son ventre, ton ventre. Tu es arrivé, hein? Ah oui, non, mais si tout le monde vient se suicider sur lui en plus. Ah mais ce tueur a eu une partie free kill quoi. C'était ridicule. Quand même très con parce que ça aurait pu être une bonne partie. Mais il y a tout le monde qui a décidé de faire de la merde en même temps. C'est quand même bête, hein. Tout le monde aurait pu survivre. Bon, j'ai quand même fait mes points, mais ça n'empêche.